au cœur de chacun d'entre nous se poursuit un dialogue avec ceux que nous avons perdus. Ce dialogue emprunte plusieurs formes. C'est le sentiment de leur présence, c'est la possibilité d'entrer en dialogue avec les objets qu'ils possédaient, ce sont des souvenirs que nous avons, ce sont les démarches que nous faisons pour aller nous incliner sur leurs dépouilles. Au fond, toutes ces expressions du dialogue, nous allons les retrouver dans ces entretiens. Et c'est évidemment ce que nous avons, nous qui essayons de faire parler de la mort dans notre société qui n'en veut pas, et elle n'en veut pas parce qu'elle ne sait pas comment prendre cette affaire. Il y a une petite clairière, il y a un espace dans lequel nous nous sommes engouffrés qui paraît autoriser la parole impossible sur la mort. C'est ce lieu où chacun de nous a quelque chose à dire sur les êtres qu'il a perdu. Je prends l'exemple de Juliette Binoche. Juliette Binoche a incarné au Théâtre de la Ville Antigone. Vous imaginez, Antigone... Oui, alors là, c'était le moment. Dans le texte de Sophocle. Et qu'est-ce que nous dit Sophocle? Il nous dit évidemment énormément de choses, mais il nous dit que si nous ne prenons pas soin de nos morts, les morts nous empêcheront de vivre. C'est une prestation très bouleversante que la sienne. Et pendant le cours de la pièce, elle va effectuer un certain nombre de rituels sur le corps de Polynice, son frère, que Créon, évidemment, ne souhaite pas voir inhumé. C'est cette pièce, évidemment, qui a justifié cette rencontre, mais bien d'autres choses, et on s'en rendra compte en lisant cet entretien. Juliette Binoche a une espèce de familiarité avec ce sujet. C'est un sujet auquel elle pense régulièrement, de façon à se mieux ancrer dans l'existence. Il se trouve que nous avons rencontré effectivement Edgar Morin, donc un monsieur qui a 93 ans, qui a une œuvre derrière lui, et qui nous explique, quasiment en train de pleurer, qu'effectivement, à l'âge de 10 ans, il a sa mère est morte, et que quand sa mère est morte, son père le lui a caché pendant longtemps, lui a dit qu'elle était partie en cure, qu'elle reviendrait. Et donc cet homme qui a quand même toute une vie derrière lui, toute une œuvre derrière lui, nous explique que ce mensonge de son père, cette appréhension qui a été la sienne, ce deuil premier et ingérable et impossible qui a été le sien, est effectivement au centre de tout son engagement, de toute son œuvre, de ce qu'il est. Qu'il y a quelque chose qui est nodal, central, comme une forme de centrale nucléaire de sa personnalité, qui rejaillit encore maintenant. Et donc, notre idée, c'était de dire qu'effectivement, avec lui et avec tous ceux que vous avez cités, il y avait autant d'exemples qui montraient comment est-ce que ces personnes qui sont connues sont, quand on parle de cela avec elles, à la fois mises à nu, ont le courage de s'exprimer sur ces sujets-là et ont le courage de transmettre dans une forme de solidarité ce qu'elles savent, le peu qu'elles savent, ou comment elles se sont débrouillées, dépatouillées, comment elles ont réussi, face à ces événements-là, à affronter ces situations impossibles. Il y a un dialogue permanent et constant de toutes les personnes que nous avons rencontrées avec leur propre mort. Ils sont là, ils sont en familiarité avec elles. Amélie Nothomb le dit. Alors justement, Amélie Nothomb, qui était là ce matin, qui est une personnalité nodale au sein des éditions Albin Michel. Alors il y a un entretien tout à fait bouleversant. Elle déclare: la mort des autres est pour moi le seul vrai problème. Ni plus ni moins. Une phrase extrêmement forte. Et elle parle de la mort d'un amour en 1996. Les réactions physiques, psychiques, ultra-violentes face à ce deuil. Et puis après, alors la riposte, parce qu'après tout, on ne va pas se laisser faire, on riposte. Alors, il y a des ripostes, je dirais, artistiques. Daniel Mesguich qui dit: le théâtre s'adresse aux morts, avant tout aux morts, à l'absence même, à ceux qui sont empêchés absolument, qui ne pourront jamais être là devant moi. Il joue, en visite, dans des salles vides. Il joue pour tous ceux qui ne sont pas là et ceux qui ne pourraient pas être là, c'est-à-dire les vivants et les morts. Il joue pour les absents. Alors, Amélie Nothomb, elle s'est fait initier à donc les pratiques, je dirais, parapsychiques en Amérique du Sud, de l'ayahuasca, donc hallucinogène, un peu comme Antonin Artaud avec le peyote, pour aller à la rencontre peut-être de cet univers de la mort. Et Jean-Philippe de Tonnac. Alors, elle a retrouvé au fond, à travers cette expérience de l'ayahuasca. L'ayahuasca. Deux figures qu'elle appelle le bon mort, c'est le grand amour de sa vie.
Et le mauvais mort, le méchant mort. Et un méchant mort, c'est une personnalité qui la harcelait déjà de son vivant et qui, étant passée de l'autre côté, continue à la persécuter. Elle a donc cette dualité à nouveau qui s'impose à elle. Et l'expérience de l'ayahuasca a été l'occasion inattendue, selon elle, de les retrouver d'une façon nouvelle. En tous les cas, je pense que ce témoignage qu'elle donne ici est absolument novateur. Je pense que les lecteurs d'Amélie Nothomb n'étaient pas au courant. Ah oui, non, il y a à la fois un témoignage personnel sur la mort de l'amour, l'ayahuasca et la hantie, le harcèlement par le mauvais mort. Et puis alors, il y a cette phrase, vous posez la question sur l'agonie, sur les moments terminaux. Et elle répond, moi, je veux y être, je veux être aux premières loges, je veux voir ce qui se passe. C'est-à-dire qu'elle veut entrer vivante dans la mort. Ce qui est frappant, parce que vous l'avez cité, c'est qu'effectivement, quand elle a 29 ans, vous dites 96, elle a 29 ans, elle perd effectivement, selon ce qu'elle dit, elle perd tout de suite, croyant que l'amour est immortel, elle perd son grand amour, celle qu'elle nomme son grand amour, et celui-ci lui dit, avant de mourir, tout le monde est logé à la même enseigne et tu verras, tout va bien se passer. Et donc, elle a une expérience à la fois de cataclysme personnel et à la fois, dit-elle, d'un deuil qui finalement, l'un dans l'autre, s'est plutôt bien passé et qu'elle veut, d'une façon ou d'une autre, transmettre à ses lecteurs ou à tous ceux qui pourront lire cet entretien-là. Donc, il y a quelque chose chez elle qui l'introduit dans ce monde des morts. Parce qu'effectivement, c'est elle qui est en dialogue avec lui, avec les morts, avec ses morts. Elle leur parle, ils lui répondent. Et en permanence, il y a ce dialogue avec ces puissances d'à côté. Ce livre, c'est l'autorisation simplement, avec l'émotion, sans intellect, le moins possible, de parler du sujet interdit.